Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Red Dead Redemption 2. C'est un jeu western où vous pouvez faire plein de choses. J'ai pas tout découvert encore, mais je sais que vous pouvez jouer au poker, chasseur de primes, attaquer des trains, des gens je crois. Il y a vraiment plein de choses à faire. Mais aujourd'hui je vais vous parler des vêtements. Vous pouvez changer vos vêtements, vos accessoires et tout sur vous. Donc il faut aller dans votre petit camp. Dans votre camp, il y a une espèce de dessin de tente que vous voyez en bas à gauche là sur la mini-carte. Et vous allez proche de votre coffre et vous voyez en bas à droite, il y a écrit changer de vêtements. Vous appuyez dessus. Et vous pouvez changer tous les vêtements. Vous avez tenue complète. Voilà, vous avez tenue complète. Que vous pouvez directement mettre si vous choisissez. Tenue du surcheval, tenue personnalisée, tenue possédée. Après, vous avez les chapeaux. Là, c'est un par un. Si vous choisissez, qu'est-ce que vous voulez mettre? Les manteaux. À mon avis, vous devez en acheter au fur et à mesure. Hein. Y a pas comme ça, je pense pas. Gilet. Les chemises. Pantalon, bretelles. Pour tenir à l'époque, si tu tenais pas, t'avais le pantalon qui est tombé par terre. Les jambières, hop, si vous voulez en mettre ou pas. Utile pour quand vous faites du cheval. Les bottes, vous choisissez celles que vous voulez. Les éperons. Mettre cela basique, le masque si vous en voulez. Hop, moi j'ai pas mis de masque. Le masque, vous pouvez l'avoir dans le quand vous êtes équipé sur la selle pour faire les braquages, bien sûr. Bandana, hop, j'en ai mis au cou. Vous voyez, au cou là, au niveau du cou, c'est juste l'esthétique. Accessoires, c'est pareil, ce n'est pas. Les gants, voilà. L'équipement pour armes, donc vous pouvez équiper les holsters. Hop, c'est la ceinture ça. Soit vous avez le holster carrément. Je sais pas si on peut. J'essaie de moi. Vous voyez là, vous pouvez changer là. Je sais pas, vous le voyez à gauche, en bas, là. Sur l'arme à gauche. Hop. Choisissez, vous équipez. Holster, main faible. À mon avis, c'est quand vous pourrez mettre un deuxième. Pour l'instant, vous l'avez pas. Cartouchière. Hop, moi j'ai mis ça. C'est pour le design. Et après, il y avait une année. Les gants. Ah, il y a gants, non, c'est armes. Sacoche, talisman. Bon, sacoche, c'est ce que vous avez à côté. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je vais vous montrer. Il n'y a pas grand-chose, il y a que celle-ci pour l'instant. Pour avoir les autres, il faut aller dans les améliorations du campement. Si vous voulez voir comment ça s'améliore le campement, j'ai fait une autre vidéo dessus. Donc vous allez sur l'amélioration du campement sur ma page YouTube et vous le trouverez. Et le talisman qui est au niveau des chambres. Mais là vous le voyez pas trop, mais bon, ça sert pas à grand chose. C'est juste l'esthétique. Ah non, on augmente la durée d'utilisation de l'œil de 5 secondes. Ah bah, je vais le mettre. Ah, pour mettre deux des talismans. Afficher un ou deux talismans, ça marche. Voilà comment vous équipez votre personnage. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Et bonne journée à vous aussi.